À faire. Vraiment, des fois, il y a des gens, ils sont vraiment fous. Il y en a qui arrivent pas à dissocier la télé-réalité, la vraie vie. Bon, c'est incroyable. Et encore, vous savez rien du tout. Si vous savez le quart de ce qu'on sait, vous vous mettrez les mains sur le front. Mais c'est pas grave. C'est vrai que j'ai ma manière de parler. Des fois, je suis dur. En aucun cas, je veux être rabaissant. En aucun cas, je veux être méchant. Mais j'ai ma manière de parler. Après, c'est comme ça. Je parle comme ça, je parle comme ça. J'ai un franc-parler, et voilà. Mais en aucun cas, je vais être blessant, rabaissant ou méchant. Après, avec Cam, on a nos raisons aussi, en fait. J'ai mes raisons. Elle me suit, c'est normal, c'est ma femme. Comme moi, je la suivrai. Et quand je fais de la merde, elle m'en coulisse, elle me le dit. Elle se prend. Ah ouais, c'est vraiment pour bien la connaître. Et ceux qui la connaissent bien, elle prend pas de pincettes. Hein. Ah, si elle a un truc à dire en coulisses, elle va le dire et ça va chier des bulles. Hein. Donc voilà. Mais maintenant, la preuve que je suis pas mauvais, mes raisons, même pas, j'en parle. Et j'en parlerai même pas. Je veux même pas les dire. J'ai mes raisons de pourquoi. J'ai agi ainsi, pourquoi il s'est passé tout ça. Maintenant, voilà. Après, ce qui me fait rire, c'est que la haine qu'il y a, ben, je joue au foot avec, il n'y a pas de problème. Entre nous, il n'y a aucun souci. Donc, je vois pas pourquoi recevoir des messages comme ça, en fait. En plus, ça inclut les parents, les enfants. Ça va loin, ça va loin. C'est de la télé-réalité, les gars. De la télé-réalité, du divertissement. Tranquille, vous êtes là. À faire limite des talk shows, ouais, Noré, le grand méchant loup.